D'ici, il y a une vue sur une chaîne de montagnes énorme qui fait tout le tour. Là, c'est magnifique. Et voilà, arrivé sur Trieste, de retour sur la côte. J'espère pour pas trop longtemps, retourner dans les terres. Alors à Trieste, le Décathlon, il se mérite. Impossible de trouver l'entrée, quoi. Faut descendre, faut monter, je sais pas, c'est un truc de fou. Sûrement finir par trouver, mais c'est un peu compliqué. Puis alors c'est indiqué nulle part, pas un panneau avec marqué Décathlon dans tous les sous-sols et tout. Il y a 3 ou 4 sous-sols comme ça. Quel bazar! Donc voilà la frontière Slovénie-Italie au-dessus de Trieste. Voilà à quoi ressemble le pseudo poste de frontière. Enfin, il n'y en a plus, hein, évidemment. Voilà les hauts de Trieste. C'est magnifique. Il y aurait un coin pas mal pour planter la tente, mais il faudrait trouver le proprio parce que ça doit être privata. Bon ben voilà, la nouvelle maison est installée après 14 heures de négociation pour la monter. La première fois, c'est pas évident. Donc voilà, et bon, elle est moins haute que l'autre. Bon, déjà, ça prend moins le vent. Il y a beaucoup plus d'attaches. Et elle est double. Donc, il pleuvra sûrement un peu moins dedans. Puis il y a un sol. J'ai mis une bâche dessous pour bien le protéger. Et voilà, on a passé la première nuit à cheval sur la Slovénie et l'Italie. Je ne sais pas si je suis en Slovénie ou en Italie. Parce que la frontière est juste au-dessus de moi, là. Et j'ai même réussi, en démontant la roue avant, à ce qu'il fasse dodo avec moi, lui. Ah, c'est vraiment pas moche. Là-bas, il y a la pluie qui arrive, c'est sûr. Je la vois tomber. Il y a des bateaux, mais ils sont un peu loin.